D'un TGV à l'autre, il avale les kilomètres d'une campagne au pas de charge. Frédéric Motte sort tout juste de son audition devant le conseil exécutif du MEDEF. Son grand oral de candidat. Je suis convaincu d'avoir été bien entendu, bien écouté, de faire passer le message. Maintenant, c'est la dernière ligne droite qui va commencer. Et ensuite, vous prenez l'avion pour aller à Bayonne mardi, c'est ça ? Oui, oui, oui. Je pense qu'on va faire ça avec le bazar. L'étape du jour, c'est Valenciennes. Depuis 6 mois, le candidat à la présidence du MEDEF sillonne la France pour se faire connaître de ses pairs. Jean-Michel, ce soir. Lui-même s'est lancé il y a 20 ans avec un associé, 18 salariés au départ, 400 aujourd'hui. Je connais la difficulté de la création, j'ai démarré de zéro, il faut convaincre les banquiers. Je connais bien ce que ressentent 95% de nos chefs d'entreprise et de nos adhérents du MEDEF, qui sont des patrons de PME. Les PME, c'est son credo. L'homme veut changer l'image d'un MEDEF comme club réservé aux entreprises du CAC 40. Rencontre avec ce garagiste, un CAP à la base, 20 salariés aujourd'hui. Puis moi, je suis pour l'école de la deuxième chance. Ah, super. Quelquefois, les parcours un peu chaotiques, on arrive à avoir des gens extraordinaires ensuite. Développer l'apprentissage fait partie des mesures phares du candidat. L'apprentissage, c'est mieux que rester, on va dire, au lycée. On apprend beaucoup plus sur le TOC qu'en restant au lycée. Mais il y a l'image. Nous, on se bat. Moi, je vois, mon métier, je fais de la sous-traitance industrielle. Je me bats pour avoir plus d'apprentis. On a racheté 23... Devant ces chefs d'entreprise, Frédéric Motte a aussi mis l'accent sur l'importance d'interagir avec les acteurs locaux pour développer les entreprises. Une entreprise, elle ne vit pas toute seule sur une île déserte. Elle est en interaction avec son territoire. Et de même que les territoires, s'il n'y a pas des gens qui vont créer des emplois et de la richesse, ben ça ne va pas fonctionner. Ancien maire de son village et patron du MEDEF des Hauts-de-France, Frédéric Motte se veut le candidat des territoires et de toutes les entreprises, grosses ou petites. Jusqu'ici, le MEDEF a toujours été dirigé par des grands patrons. Verdict le 3 juillet.